Bon, bienvenue pour le stream. Si vous me suivez en live, n'hésitez pas à follow ma chaîne. Et si vous suivez ma vidéo YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Ou rouge, et à commenter pourquoi il est rouge d'ailleurs. Un petit nmap-p- pour dire tous les ports de 0 à 65535. -sv pour essayer de détecter la version des services. -c pour utiliser les scripts par défaut suivi de l'adresse IP. Par rapport à d'habitude, je rajoute un autre scan. J'ai fait un scan UDP ici cette fois. Là c'est de l'UDP hein. Donc -sv pour détecter les versions, -sc pour utiliser script par défaut, -t4 pour essayer d'aller vite. Et j'ai pas mis -p- parce qu'en UDP c'est généralement très lent. Donc je me suis contenté des top 1000. Et ici on voit tout de suite qu'il y a un port UDP 161 qui est ouvert. Niveau TCP on voit déjà un port OpenSSH 8.0, donc c'est relativement à jour, donc pas grand chose ici. On voit un port HTTP ici, donc intéressant. Nginx 1.14.1, on a un port 9090 qui représente quelque chose d'un peu mystérieux. Mais a priori c'est du HTTP, ici on voit HTTP Bad Request. C'est du SSL. On le voit notamment par la présence d'un certificat TLS ici. Il nous fuite d'ailleurs un common name. Donc si jamais il y a du VHost, de l'identification par VHost, ben on a un FQDN ici. Donc plutôt d'utiliser adresse IP, il nous faudra peut-être utiliser le VHost. Pour ça, on le mettra dans notre fichier etc/hosts. Donc déjà, moi, je note le common name là ici. Donc on a les ports HTTP 80 et HTTPS 9090. De suite, je vais m'y rendre. La target sur son port en http://l'IP. On voit du Nginx, Red Hat, machin. Je pourrais lancer un GoBuster ici pour voir s'il n'y a pas des pages un peu ailleurs. Je vais pas le faire ici. Je vais essayer de voir du coup sur le port 9090, qu'est-ce qui s'y trame en HTTPS du coup cette fois. Et ici on voit serveur.pit.htb. Login avec votre user account. Ici on n'a pas de credentials, évidemment quand on n'en a pas on essaie souvent des credentials par défaut comme admin admin. Ici ça ne donne rien, admin password ou encore admin 1 2 3 4 5 6, ou voilà. Je vais m'empresser du coup d'aller dans mon fichier hosts, vim etc hosts, et le nom cible, on va essayer de résoudre ce nom mais aussi ce nom. Tac. On échappe de .wq pour sauvegarder. Ce que je vais faire, c'est regarder plutôt clipper, regarder le nom pour voir si les VHosts nous font pas un affichage un peu différent. Donc http://, le nom sur le port 80. Et là, j'ai un forbidden. Ça, c'est intéressant. Sinon, https://, le nom, mais sur le port 9090 du coup. Ici, on a le même écran que quand on se connectait avec l'adresse IP ici. Donc rien de nouveau. Maintenant je vais utiliser l'autre nom, pit.htb. Donc pit.htb sur le port 9090. Rien de nouveau, ça donne la même chose qu'avec l'IP. Et maintenant je vais essayer sur le port 80, donc j'enlève juste le port, puisque par défaut c'est 80, et en HTTP, par HTTPS. Et ça nous donne rien, ça nous donne la même chose que ce qu'on avait avec l'IP. Donc finalement, on a quelque chose de particulier sur le port 9090, quel que soit le nom, et quelque chose de particulier avec dms-pit.htb. Et maintenant, je vais me pencher sur le SNMP. Avant de faire ça, je vais lancer un GoBuster. Dir pour faire du dirbusting, -u pour préciser l'URL, -w pour préciser un dictionnaire. Ici, je vais utiliser user share word list, dirbuster, directory, 2.3 medium. Je le lance. Ah, on voit un slash conférence déjà. Slash conferences. Alors c'est conferences ou conférence, une erreur 403. Et on voit qu'il réagit à conferences, mais aussi à conférence, mais aussi à conf, mais aussi à config, mais aussi à conferences, confused, configure. On comprend en fait qu'il réagit à conf. Ça c'est typique de Nginx quand il essaie de résoudre automatiquement avec un wildcard certains passes. On voit pas trop grand chose d'intéressant avec les GoBusters. On pourrait GoBuster à peu près tous les liens, mais finalement... Pas de password par défaut facile à identifier, pas de GoBusting facile, donc on est un peu bloqué. Et c'est après qu'en général on se dit bon, je vais regarder UDP maintenant, voir s'il n'y a pas un truc. Et normalement c'est bien de le lancer aussi avant en parallèle. Effectivement on a du SNMP. Une chose qu'on veut faire avec du SNMP, c'est voir s'il n'y a pas des community strings par défaut. Use auxiliary scanner SNMP, suivi de SNMP login. Là je fais tab pour vous montrer ce qu'il y a, SNMP enum. Enum shares, enum users. Bon, nous c'est SNMP login.
Donc je vais utiliser Metasploit pour faire du brute force sur les community strings SNMP. Mais je pourrais utiliser 161 également. On conseillera 161 sur des réseaux assez énormes de plus de 200 machines par exemple. Puisque Metasploit va planter dans ces cas-là. Là c'est une seule machine, ça marche très bien Metasploit. Et donc options pour voir un peu ce qu'il y a. Alors est-ce qu'on va utiliser les blank passwords false? Moi je vais mettre set blank passwords true. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est pas important. Les passwords, ils génèrent déjà le password file de Metasploit, ça me va bien. Alors set threads, on va en mettre je sais pas 20. Allez, on va mettre set stop on success true et set remote host. On va le mettre l'adresse IP de la target. Maintenant exploit et c'est parti. Tout de suite, il a réussi à trouver public comme community strings par défaut. Par défaut, c'est public pour l'accès en lecture seule, read only, et private pour l'accès en écriture. Qu'est-ce que SNMP? Alors SNMP, c'est Simple Network Management Protocol. C'est un protocole UDP et non TCP qui va utiliser les ports 161 et 162. UDP 162, en fait, ça sera les traps SNMP. Et les traps SNMP, en fait, c'est des logs qui vont être remontés. Puisque SNMP sert à du management, mais essentiellement à faire du logging. Comme du syslog. Si moi j'active un service SNMP, ça va monitorer ma machine. Si jamais il y a une erreur d'authentification, ou un bug, ou une anomalie, quelle que soit l'erreur, ça va générer un log. Et ça va la remonter idéalement à un serveur SNMP. UDP 161, ici, c'est un truc qui va être en écoute et sur lequel on peut éventuellement s'authentifier. Donc SNMP, ça sert à récupérer des logs, mais aussi à afficher des informations et à permettre de modifier des configurations de la machine cible. Ça veut dire qu'on peut s'authentifier, entre guillemets, hein, avec le mot-clé public sur cette adresse IP cible pour afficher des informations sur son service SNMP. Quand on ne connaît pas, on tape Hacktricks dans Google, suivi de SNMP. Et on tombe sur la page qui va bien, sur Pentesting SNMP. Donc c'est à peu près ce que j'expliquais, c'est un protocole utilisé pour monitorer des périphériques sur le réseau, des routeurs, des switches, des imprimantes. J'avais dit qu'effectivement les imprimantes aimaient bien SNMP. Les IoT, bon. Et on a les MIB, les OID, donc en gros, c'est une sorte d'annuaire d'informations de configuration qui va être stocké dans SNMP. Et on peut accéder à différents morceaux de cet annuaire avec les OID. Ça se découpe un peu comme ceci, il y a 1 suivi de 3, donc 1.3.6.1.1.1.2 par exemple. Et on va dans des sous-branches de sous-branches de sous-branches de sous-branches d'une branche. Quoi. Et en fait, par exemple, ici ça sera les interfaces réseau, ici ça sera l'adresse IP, ici ça sera réservé pour Cisco, ici pour Microsoft. Ici c'est expérimental, donc on trouve un peu tout et n'importe quoi. Globalement, ce qui est intéressant de récupérer avec SNMP, c'est souvent une adresse IP ou des informations de configuration, et ça dépend vraiment de la technologie qu'on a en face. Donc un OID, ça s'accède comme ça, par exemple 1.3.6.1.2.1.1, et on aura la case qui est par exemple ici. Et si on demande 1.3.6, eh ben on aura le sommet de la branche, donc on aura toutes les sous-branches incluses, donc on aura beaucoup de données. On peut aller vraiment dans des sous-branches très lointaines. Un truc simple à retenir, c'est 1.361. On retient par cœur ce OID et on accède quasiment à tout le contenu. SNMP V1, donc ça s'authentifie avec du plain text. Donc si jamais on arrive à sniffer l'authentification, qu'on connaît pas la community string, mais qu'on arrive à sniffer l'échange, ben on aura en clair la community string. Si on a ensuite SNMP V2C, donc c'est pareil que SNMP V1, c'est tout aussi sécurisé, c'est-à-dire pas sécurisé. Et SNMP V3, qui lui peut être sécurisé, mais ne l'est pas forcément. Donc ça va utiliser, ça a la capacité d'utiliser l'authentification et le chiffrement, pour assurer la confidentialité. Mais pas nécessairement. On peut utiliser SNMP V3 en mode, on appelle ça no auth, no priv, donc no authentication, no privacy. Voilà, les community strings, c'est souvent public et private. Private c'est pour read and write, public c'est pour read only. Je vais faire search SNMP, type auxiliary, SNMP enum par exemple. Je vais utiliser ce module là, use ça. Set remote host, notre IP cible. Options, et je pense qu'on est bon, je vais mettre un peu de threads au cas où, allez exploit.
par défaut c'est SMPV1. Il utilisait par défaut la community string public. Si c'était autre chose que public, il fallait qu'on le change à la main dans les options. On aurait fait set community autre chose. Et là, public, ça marchait bien. Et là, ça nous récupère des infos. Metasploit est, est puissant parce qu'il est capable de nous récupérer des infos. Là, on voit pit.htb, donc déjà on a le nom, effectivement. Description, on voit l'équivalent du uname-a, c'est-à-dire qu'on voit la version du kernel du Linux qui est en usage. On voit la liste des process. Intéressant ça. Si jamais il y a des flags -u pour username ou -p pour password dans la commande d'un process, ben on le verrait là. On voit effectivement des process, mais pas de données, pas de mot de passe, rien qui nous permette d'accéder à la machine. On n'a pas grand chose finalement, on est coincé. En fait, il faut savoir que Metasploit ne dump qu'une partie très particulière. Alors je sais pas si on peut voir, show advanced options peut-être. Il va récupérer, non, on peut pas le modifier, mais Metasploit par défaut va récupérer un OID assez bas dans la hiérarchie, donc il récupère pas tant d'infos que ça. On peut utiliser un outil un peu plus costaud que Metasploit pour l'énumération SNMP, c'est-à-dire SNMP walk. Je vais faire un SNMP walk -c pour préciser la community string, ici c'est public, -v pour préciser la version, ici on va utiliser la version 1. Suivi de l'adresse IP. Par défaut, je ne sais pas ce que c'est l'OID, mais il faut préciser l'OID. Et donc, je vous avais dit que c'était idéalement 1.3.6.1. 1.361, quoi. Facile à retenir, 361. Bon, enfin, pas forcément si facile, mais bon. Sinon, on peut retenir le port SNMP, c'est 161. Donc, on fait 1.6.1, mais d'abord, on met un 3 devant. Voilà. 1.3.6.1. Particule de Dieu, oui, SNMP Walk fait bien partie des outils dans la distrib Kali par défaut. Donc on peut lancer ça, donc 1.3.6.1, quand on a du SNMP et qu'on a réussi à obtenir la community string de SNMP. On peut s'authentifier comme ça. Et là, ça nous récupère plein d'infos. Donc je vais rediriger ça dans un fichier texte. Je vais l'appeler snmpdump.txt. Sinon, on aurait pu utiliser l'outil 161 qui s'écrit comme ça, 161, qui lui est très simple à utiliser. On fait 161-c suivi d'un fichier txt qui contient plein de community strings. Voilà. Suivi du coup de l'IP cible et ça va brute forcer. Et c'est même plus rapide que Metasploit d'ailleurs. Voilà un exemple ici, 161. On peut préciser carrément. Un subnet, donc .0/24 pour dire 20 à 255, et ça marche très bien. -c dictionnaire.txt, -i un ensemble de host, -o pour l'output, et -w je sais pas ce que c'est, wait millisecondes. Ok, c'est pour pas brute forcer trop rapidement, pour pas que ça plante. Maintenant on va commencer à lire du coup le fichier texte. Linux pit, donc ici on voit effectivement le kernel, ça Metasploit il a été capable de nous le montrer. Donc ici, on a pu fuiter la version du kernel Linux cible. On voit UTC 21, juillet 20, 20 juillet, Tuesday. Ok, donc la version du kernel a été mise à jour du mardi 20 juillet 2021. Au moment de ce stream, on est en fin septembre 2021, donc c'est relativement récent. Et merci Surcouf pour ton follow. Sympa, pas mal de follow ce soir. Alors, on continue... tout ça, pit.htb, donc ici on fuite un FQDN, donc un Fully Qualified Domain Name. Merci Rapzor pour le follow. Ouais, ça a l'air cool. Alors, ah j'aime bien cette musique. Alors, on continue. Un peu plus vite, mais sans louper des choses. Et effectivement, je vois ici un chemin très intéressant. C'est très intéressant, non? Vous trouvez pas ça intéressant? Moi, je trouve ça intéressant. Super intéressant, ça. Var html slash var slash www slash html, c'est le répertoire par défaut d'un service web. Si ça se trouve, c'est un chemin qu'on peut accéder avec le serveur web, donc on le note, mais on continue, on s'arrête pas là, sinon on va être vite bloqué par autre chose. User bin monitor, user bin monitor, c'est un binaire non usuel, c'est un binaire que je ne connais pas et donc que je vais surtout prendre le soin de noter. On voit que c'est une machine de 4 Go de RAM. Donc c'est des infos, hein, on fuite des infos. Mais en vrai, ça ne nous sert à rien. Ça par contre, user U Michel, ça peut nous intéresser.
Donc on note user Michel, 2LE, et route, bon, route on sait plus ou moins qu'il y est, il est souvent par défaut. En parcourant, on voyait qu'il y avait du PHP, FPM, du Nginx, on a vu une sorte de base de données, voilà, on a vu qu'il y avait du PHP du coup. Et on s'arrête là-dessus, ouais, ça c'était super intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec de toutes ces infos? Bon, ça c'est un binaire qui est en local sur la machine, on peut pas utiliser ça pour l'instant. On a un username qui s'appelle Michel. On pourrait essayer de s'authentifier sur des pages. Alors moi j'ai envie de tout de suite essayer de m'authentifier sur la page CentOS ici. Même mot de passe que username, donc Michel Michel. Michel Michel, ça ne marche pas. Michel Password. Ça ne marche pas. Donc on est un peu coincé. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi un chemin ici. Sur une page HTML. Donc j'ai envie de tester sur toutes mes pages, c'est-à-dire celle-ci déjà. Si je peux pas accéder à slash site DMS machin ici. Et ça nous donne rien, ça nous redirige vers la page de login. Donc je garde la page de login. Et cette page-là, ça nous donne quoi? Et bingo! Bingo, SNMP, du coup, nous a fuité des informations intéressantes et notamment nous a fuité un chemin complet d'un répertoire web. Il n'était pas dans les dictionnaires usuels de GoBuster, puisque c'est un répertoire avec un nom complexe, et non habituel. J'ai envie de tester Michel. Michel. Puis Michel Password. Language, on s'en fout, je sais pas si c'est nécessaire de le mettre. Et voilà. On a réussi à s'authentifier. Owner Administrator. J'ai envie de voir si c'est quelque chose de connu. www.siddms.org. C'est un document management system qui est connu. Donc on va pas chercher une zero date dessus. Enfin, en tout cas pas en premier lieu. On va d'abord s'intéresser à s'il y a des vulnérabilités connues. Search exploit pour regarder dans ExploitDB. Le mot-clé SIDDMS. On voit effectivement des choses. On voit une persistent cross-site scripting. Une autre cross-site scripting. Une autre cross-site scripting. Ici, on voit une remote command exécution pour toutes les versions inférieures à 5.1.11. Ici, une RCE aussi, mais pour 5.1.10. Donc, a priori, on va préférer la plus récente possible. Maintenant, la question, c'est à quelle version sommes-nous? Alors, on voit une upgrade notes ici. À cause de problèmes de sécurité de notre version précédemment installée, la 5.1.10, j'ai mis à jour vers la 5.1.15. Regardez le changelog pour plus d'informations. Si vous trouvez ne serait-ce que le moindre problème, contactez-moi immédiatement à admin@dms.pit.htb. J'ai envie de regarder le changelog. Download, un less de changelog. Et on voit les versions, les changes dans 5.1.15. Donc a priori, on est en 5.1.15, ce qui nous embête un peu, puisque du coup, c'est pas censé être vulnérable. Mais ici, il faut toujours tester. Puisque peut-être qu'il ment, peut-être qu'il se trompe aussi. En plus, il envoie un message disant « Tenez-moi au courant si jamais il y a un souci ». C'est là qu'il y a un petit peu de guessing sur cette machine, puisqu'il sous-entend qu'on est à jour, mais en fait, il faut vérifier. Donc tout simplement, quand on ne sait pas, on teste l'exploit le plus récent possible. Ici, celui-là, une RCE. Donc je vais faire un searchploit-x pour regarder un petit peu, pour explorer cet exploit-là. Et on voit que ça concerne... DMS version inférieure à 5.1.11. Il suffit de se loguer sur l'application sous n'importe quel folder, ajouter un document, choisissez le document mais mettez uploader un PHP backdoor ou un web shell, par exemple celui-là. Step 3, après avoir uploadé le fichier, vérifiez le document ID avec ce genre de lien là, document ID cmd égale 4. Voilà, je vais récupérer ce code là. Je vais juste récupérer celui de l'exploit, puisque le POC a marché, donc je vais récupérer celui-là. Vim simple.php, pour avoir un nom simple de fichier, et on sauvegarde. Ok ? Donc ici, on voit que ça récupère en get ou en post, donc $_request, la variable cmd, et ça va interpréter ce qui est contenu dans cette variable et l'exécuter au niveau du système d'exploitation. Dans docs, dans users, je vais me mettre ici, dans Michel, tiens, on voit qu'il y a Jack aussi. Ok, comment je peux uploader? Add subfolder, add document. Ok, name, je vais mettre simple, je vais l'appeler. Version 1, local file,
Je vais uploader du coup notre fichier simple.php, qui est du code PHP. Si on arrive à faire interpréter ça, bah on exécute du code, quoi. Add document. Ok, simple a été ajouté. Si je passe la souris dessus, on voit le lien complet là. View document, document ID égale 29. Je vais cliquer dessus, comme ça. Ici, on voit effectivement, là, je défile comme ça. Document ID égale 29. Donc c'est 29 l'ID de notre document. Et ici, ils disent, il faut accéder comme ça. Il faut faire... Cet ID, c'est l'ID du folder. Donc je pense qu'il faut copier-coller ça. Suivi du document ID qui est entre guillemets ici. Nous, c'était 29, si je me souviens bien. Voilà, je copie-colle ça, on va voir ce que ça donne. Hop. Le POC a marché. Alors là, le truc, c'est qu'il nous a menti, le gars. Parce qu'il nous a dit, oui, on a mis à jour, on est en version 1.15, c'est bon, on est safe. Mais il a menti. Ou alors, soit il a menti, soit il s'est trompé. Mais déjà, on voit qu'il avait pas l'air confiant, puisqu'il disait, si vous voyez la moindre anomalie, dites-le moi. On peut faire un ID. On voit qu'on est Nginx, Nginx. Ok. Et merci pour le follow Fajok. Dans la vraie vie, on a rarement des choses aussi catastrophiques qui en découlent de SNMP, mais je veux dire, on voit des choses intéressantes parfois, très intéressantes avec SNMP. Je vais faire un ls de slash var slash www slash html. On voit le dossier seed DMS. Donc je vais faire un ls de ça slash seed DMS. X. On voit un dossier conf, data, peer, seed DMS, 3w. Si DDMS m'intéresse, 3W m'intéresse et conf m'intéresse beaucoup. Je rajoute slash conf. Settings.xml. Ok, stop word. Ok, on va afficher settings.xml. Donc slash settings.xml, mais à la place de ls, maintenant je fais un cat. Je crois que j'ai fait une faute de frappe là. Elle répond, qu'est-ce qu'un sigilt? Private joke pour ceux qui connaissent. Alors ici, c'est du XML. Donc il y a un piège. Est-ce que vous saisissez où est le piège? Oui, c'est du XML. Donc il y a des balises comme le HTML. Et donc on ne peut pas afficher ça dans un browser. Il faudrait afficher ça autrement, soit dans Burp, soit on affiche le code source. Et on voit du contenu caché. On l'a mal lu en fait. On est allé trop vite. MySQL, DB Hostname Holocalhost. La database, c'est SitDMS. Et database password, c'est celui-là. Je fais SSH, alors clear, SSH Michel, arrobas DMS-pit.htb, parce que ça va être résolu du coup grâce à mon fichier host. Yes. Et permission denied, public key. Il y a un problème de public key, donc j'ai pas le droit de m'authentifier, quel que soit, même si je connais le mot de passe. Donc on peut pas s'authentifier en SSH. On n'a rien d'intéressant sur site DMS parce qu'on est déjà admin. Donc il nous reste qu'un seul port qui nous permet de nous authentifier, c'est celui-là. C'est Michel Michel, j'ai déjà essayé. Michel site DMS. Marche pas. Et Michel IED machin XOQ. Et là, ça marche. Et ici, on a un terminal. Je clique et en fait, c'est littéralement un shell. Alors on va essayer un sudo-l. Il me demande le mot de passe de Michel. Donc c'est quoi qui est intéressant, c'est que c'est un fichier qu'on n'a pas l'habitude de voir sur Linux. On voit souvent plein de binaires habituels, mais pas monitor. On peut voir ce que c'est ce fichier-là. File user bin slash monitor. Qu'est-ce que c'est? C'est un born again. C'est un bash script, c'est un born again shell script. User bin slash monitor. Et on voit du coup que c'était du bash, donc c'est un script bash. Donc on peut juste le cat, on peut le lire. Voilà, et si je fais un ls-alt, ls-al de slash user slash bin slash monitor, on voit qu'il est owné par root. Et alors, on pourrait probablement effectivement se donner, se mettre la clé publique pour avoir un shell et ensuite faire du PSPy. C'est une idée pour pouvoir voir les cron tabs, les cron jobs. Sinon, je fais cron tab-l pour voir. Non, je peux pas le voir. Et si je fais cat etc slash cron tab, non plus, permission denied. Donc, on peut imaginer
que Root exécute régulièrement ce script-là, tout ce qui se trouve ici. C'est est-ce qu'on a le droit d'écrire dans ce dossier? Donc CD User Local Monitoring. Clear. Je fais un echo Toto dans Follow ma chaîne et je fais un cat Follow ma chaîne. Ok. On peut essayer d'avoir un reverse shell ou alors on peut essayer de s'ajouter dans les authorized keys. SSH keygen. Comme ça. Alors, on va générer un couple de clés publiques, clés privées. Je vous invite à regarder sur Internet chiffrement asymétrique pour comprendre en quoi ça consiste la clé privée, clé publique. Mais en gros, on chiffre avec la clé publique et on déchiffre avec la clé privée. Moi, je vais me servir de ma clé privée comme un gage d'authentification, comme quoi je suis la bonne personne. Je vais me whitelister avec. Alors, je vais créer un fichier qui s'appelle .slash ID RSA. La passphrase, j'en veux pas. Je veux pas de passphrase. LS. Voilà. Donc, ça m'a créé un couple de clés publiques et privées. J'ai une clé privée, ID RSA. ID RSA, ça c'est quelque chose de très secret, de très confidentiel qu'il faut jamais donner à qui que ce soit. Begin OpenSSH Private Key. Donc faut la garder que pour soi. Et il y a ID RSA Pub. Ça c'est la clé publique. Et ça, la clé publique, je devrais pouvoir l'écrire dans le fichier slash root slash .ssh slash authorized keys, écrit comme ça, ouais, keys. Je veux l'écraser avec ce contenu-là. Donc en fait, je vais écrire un fichier, un script que je vais mettre dans user local monitoring slash check checkout.sh, je vais l'appeler, parce que ça correspond à check étoile sh. Et le contenu de ce script, ça sera ce que je vais mettre entre ces tirets. Donc ça sera, je vais mettre déjà un shebang slash bin slash bash. Je vais mettre un écho de la clé publique ici. Tout ça là, je copie-colle tout ça. Clic droit, copier. C'est où? Bon, contrôle C quoi. Coller. Fermer les quotes. Que j'output dans le fichier slash root.ssh authorized keys. Est-ce que c'est clair? RSA, ça veut dire quoi d'ailleurs les lettres RSA? Quelqu'un sait? Ce que veulent dire les trois lettres RSA en attendant pendant que je copie-colle cette commande-là? Ici, hein, je viens de voir. Checkout.sh. Je vais coller tout ça. Alors, il n'y a pas un problème de caractère? Non, c'est bon. Sauvegarder. Il faut absolument que ce fichier checkout-là, j'arrive à l'uploader sur ma target là. Donc, je vais mettre en Python 3-m simple. Alors, http.server80. Mon IP, c'est quoi juste avant? Point virgule. Alors, mon IP, c'est ça. Et donc, sur la terminale cible, je vais faire un. Donc, je vais faire un wget de http://. L'IP de la machine attaquante, c'est checkout.sh. Wget not found. Arf. Est-ce qu'il y a netcat? Oui. Alors je vais faire un netcat sur 10.10.14.6 sur son port 9001 et je vais récupérer l'output et le rediriger dans checkout.sh. RSA, c'est les initiales des inventeurs du système de chiffrement. Exactement. C'est Rivest, Shamir et Adelman. D'ailleurs, Rivest, c'est aussi celui qui a inventé RC4, puisque RC4, ça s'appelle Rivest Cipher. C'est le Rivest Cipher, puisque c'est le cipher de Rivest, puisque c'est son nom de famille. RSA, c'est les trois gros mathématiciens, les trois gros bons gros matheux qui ont réussi à coder, enfin, à développer l'algorithme RSA. Par contre, avant, il faut que je sois en listening. Bien sûr, je suis pas en listening. Alors, je coupe mon serveur HTTP puisqu'il ne marche pas. Je vais faire un netcat-lnvp 9001 et je vais rediriger comme ça vers l'intérieur le fichier checkout.sh. Je suis en listening et avec le service web, j'ai espoir de pouvoir le récupérer comme ça. Que dit mon netcat? Oui, connect to mon IP, from unknown, l'IP de la target. Donc la target a pu se connecter à mon IP, donc il a forcément récupéré le fichier. Je coupe. Je reviens sur le terminal web.
je fais un CTRL-C ici, clear. Je fais un cat checkout.sh et on l'a. Pas besoin de le taper à la main. Et il y avait curl, which curl. Donc il n'y avait pas wget, mais on pouvait récupérer le script avec curl en fait. Quand on faisait snmp enum, ça avait peut-être éventuellement déclenché quelque chose qui nous aurait affiché le nom du binaire, qui est user bin monitor, qui servirait peut-être justement à monitorer les actions qui seraient faites sur le snmp. Et dans ce cas-là, effectivement, ça expliquerait que ça pourrait trigger quelque chose, peut-être en route. Je vais le lancer. Tac. Et peut-être qu'au niveau où il affichait user bin monitor, à cet endroit-là, c'était peut-être le moment où ça triggerait justement le truc de monitoring SNMP et qui aurait peut-être lancé quelque chose en tant que route. Et si c'est le cas, ça exécuterait user bin monitor en tant que route et donc ça écrirait notre clé publique au bon endroit. Ah, user bin monitor, là, voilà. Donc peut-être que là c'est fait. Voyons, ok, il est fini. Le script est fini. Maintenant, on va regarder si cat checkout, s'il est toujours là. Il a l'air toujours là. Et maintenant, on va voir si on peut pas s'authentifier en SSH. Parce que je crois que c'est peut-être la bonne chose à faire. Effectivement. Donc, bien vu, Eti. Bon, ça, c'était un truc de un peu de guessing. Mais effectivement, on pourrait se dire... Nous, on n'a pas le droit d'exécuter user bin monitor. Seule route avait le droit de l'exécuter. Comment le faire exécuter en tant que route? On a essayé de sudo, ça n'a pas marché. Il faut espérer qu'il y ait un crontab qui le fasse. On ne pouvait pas les vérifier. Mais en fait, il n'y avait pas de crontab qui le faisait. Par contre, effectivement, comme le binaire s'appelle monitor, on peut imaginer que c'est un truc de monitoring et que sur une action précise, ça soit déclenché. Et l'action précise, ben on pouvait essayer de s'authentifier sur la page web, on pouvait essayer plusieurs trucs. Effectivement, c'est SNMP qui déclenche cette action de monitoring. Et monitor, c'est vrai que c'est lié à SNMP, puisque c'est un protocole de monitoring aussi, puisqu'on s'en sert pour avoir des logs. SELinux permet de définir une politique de contrôle d'accès obligatoire. Son architecture dissocie l'application de la politique d'accès. Il permet notamment de classer les applications blablabla. Ben... Ah, belle la Padula, tiens, ça me rappelle un truc. Effectivement. Et Eti qui dit, fais-toi un reversal et regarde. Ça veut dire sans doute que ça bloque... ça limite probablement grandement la capacité de faire un reversal. Quand le stream est intéressant, les follow suivent. Et ouais. Quand le stream l'est plus, les follow suivent plus. On exécute ça. J'ai mon reversal ici. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Il est cassé? Ah, il est cassé là. Tout a freeze. Ça a freezé là. Et lui là, il est bon? Il est plus bon? Ah, c'est bon. Voilà. De audit log. Alors, je sais pas. Ça doit être des logs récents. Je me remets en listening. Je me redonne le shell. Tac. ID. Et en fait, mon shell, il est flingué automatiquement. Il a juste le temps de créer la connexion et il freeze juste après. Donc c'est SELinux qui me bloque, effectivement, Eti. Bien vu. C'est pour ça que du coup, c'était aussi compliqué d'avoir un reverse shell, d'avoir un reverse shell avec le PHP. Je fais un petit résumé de tout ce qui s'est passé du coup. Donc on avait énuméré la cible, on a pu trouver en naviguant sur les pages web... les FQDN de la machine, il y en avait deux, on les a mis dans etc host pour voir s'il y avait des vhost qui correspondaient à ces FQDN. Effectivement, on affichait des pages web différentes selon le host proposé. Donc on pouvait mettre l'IP ou ce nom-là, et les affichages étaient parfois un peu différents. Il y avait les ports 90-90 en HTTPS et 80 en HTTP. Ensuite, on a pu regarder, en fait, il y avait du SNMP en UDP. On a pu brute forcer les community strings par défaut, on pouvait faire ça avec Metasploit ou encore 161. Et on pouvait fuiter des informations très intéressantes comme un binaire qui semblait être en rapport avec le monitoring et qui est non usuel, qui est en fait un script bash, on l'a vu plus tard, et on voyait un username qui s'appelle Michel et on voyait un chemin vers un site web. Quand on testait sur une des pages web ce chemin-là,
on pouvait effectivement accéder à une page de login et s'authentifier. Cette page de login nous donnait accès à un service de gestion de documentaire qui est vulnérable à une CVE de type RCE. On a pu exécuter du code avec, faire un cat etc passwd, mais également avec ce PHP leaker la configuration XML d'un fichier, ce qui nous a fuité des mots de passe. Ces mots de passe ont pu nous permettre de nous connecter sur le terminal web que nous proposait un service CentOS. Et à partir de là, on a pu modifier un dossier dans lequel se trouvaient des scripts qui étaient exécutés par root à un moment précis. Ce moment précis, en fait, était déclenché lorsqu'on faisait un SNMP walk. Et c'était le monitoring du coup qui déclenchait l'exécution de ce binaire par route avec l'UID 0 donc, et donc qui allait exécuter notre script qu'on avait pu écrire en tant que route. Et voilà. Et donc on pouvait pas se donner un reverse shell parce qu'il y avait ce Linux. Donc par contre, ce qu'on pouvait faire, c'était galérer à se rendre compte que le reverse shell ne marchait pas et être frustré. Ou alors. Réécraser la public key après avoir généré un couple de clés publiques, clés privées. Et n'hésitez pas à follow si ça vous a plu, bien sûr.